Et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Mon Petit Monde Solo en Hardcore. Ah là là, quel bonheur de jouer sur cette partie les amis. Et donc je suis content de vous retrouver. Évidemment j'ai passé 10 jours en Bretagne, ensuite j'ai tourné sur YouTube et tout. Donc c'est vrai que je ne suis pas passé beaucoup ces derniers temps sur ce petit monde là. Mais évidemment c'est toujours un grand bonheur de me retrouver dessus. Alors pof, on se remet en vue à la première personne. Alors, je sais plus trop ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré la dernière fois. Alors en fait, je vais juste vous montrer un truc. Déjà, c'est ça. Voilà. Donc j'ai été faire un peu d'exploration. Je me suis occupé de tuer des pillagers. Et en fait, dans un village de pillagers, j'ai trouvé dans un coffre, évidemment, cette corne-là qui est rigolote. Mais pas que. J'ai ramené deux petits copains qui peuvent être rigolos. C'est des halets. Alors, en fait, ils ont pas une très très grosse utilité. Apparemment, ils peuvent ramasser des blocs pour moi. Mais bon, pour l'instant, on va les laisser là. C'est des petits fantômes rigolos, je trouve. Ils sont assez marrants. Et surtout, ils sont inoffensifs. Et ça met un petit peu de vie dans la maison. Voilà. Alors, là, comme je vais partir en live sur mon petit monde, sur le Hardcore, je pense que il va être temps de commencer à monter un petit peu les murs sur toute cette partie qui est ici, là. Tout autour ici. Bon là la tour je sais pas encore trop comment je vais la faire, mais au moins je pense que je vais monter pas mal de murs en mode plus faire des contours qui vont être ici, hein, avec des petites barrières, donc il va y avoir tout autour ici. Donc je m'occupe de ça les amis, et puis bon on se retrouve juste après pour faire un petit bilan des opérations et voir un petit peu bah, comment ça a avancé cette histoire. Alors bon, j'ai fait une petite entrée, j'avais envie de faire un truc un petit peu rigolo, enfin rigolo, une petite entrée de château, simple et efficace, voilà. Donc, alors ça fait une entrée un peu casquette, mais j'avais envie de faire un truc qui change, et puis de me faire un petit peu plaisir, et puis bon bah s'il pleut, hein, c'est bien d'avoir une petite avancée de toit comme ça. Alors vous voyez déjà au sol, hein, j'ai rajouté pas mal de blocs comme ça, donc ici j'ai fait, donc je suis resté hein, sur du granit poli. Hein, j'aime bien le bloc ici pour le sol. Et puis là, j'ai fait une entrée ici, donc avec une petite avancée. Alors une salle toute simple, hein, donc on va pouvoir arriver par là. Alors là, j'étais en train de construire donc les escaliers qui sont là en attendant d'avancer la tour. Comme ça me permettra d'avancer le bâtiment qui va être ici, qui va rejoindre les autres bâtiments. Voilà, je sais pas encore hein, tout ce qu'on fera dans toutes les pièces. Mais on verra. Donc ici effectivement il y a un passage, hein. J'ai fait toutes les barrières extérieures qui mènent, qui sont autour du château ici comme ça. Bon, ce que j'aime bien, ça fait sympa. Et puis de l'autre côté, alors au début je voulais faire une porte, j'ai dit mais non sinon à cheval je peux pas passer. Donc j'ai fait une simple herse comme ça, simple et efficace, hein. Comme ça permet d'aller dans la cour intérieure qui va être ici pour effectivement avoir mes chevaux et pour pouvoir passer à cheval à cet endroit là ici. Évidemment hein, on rejoint toujours notre salle des coffres. Alors pour l'instant ici tranquillou, et allez ils sont contents, vous m'avez retrouvé les copains, vous me donnez des idées les gars, parce qu'on les a trouvés en fait. Donc à un endroit où il y a des pillagers, et dit qui dit pillager dit effectivement peut-être devenir le roi du village, hein, bien sûr, le sauveur du village, et surtout le fait de pouvoir avoir des totems. Je pense que ça serait une bonne idée, en fait, de faire une attaque de village, mais pas ici, hein, parce que ici j'ai pas envie qu'il m'abîme quelque chose, les pillagers, parce qu'ils piquent hein, quand même. Hein. Donc du coup, on va prendre tout ce dont on a besoin hein, pour survivre. Et on va s'occuper donc d'aller faire une attaque de village. Et donc d'avoir déjà de trouver des pillagers. Alors du coup, je prends tout ce dont j'ai besoin. Hein, les amis, on va prendre un petit peu de risque quand même. Hein, c'est le moment. Hein, on est chaud. Et on se retrouve tout de suite. Ok. Ça, c'est l'étape numéro 1. On va tuer la bannière, voilà, pour choper le bas domaine, c'est bien ça madame Chambier. Voilà, je sais pas où est la bannière, je l'ai récupérée. Très bien, regardez en haut à droite de mon écran, j'ai le bas domaine. Alors je cours au prochain village, et c'est parti pour le raid, et pour devenir un héros, ou pas. On va là-dedans. Alors évidemment, le raid va commencer à se déclencher, bien sûr. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait
vous allez voir une petite maison où je vais pouvoir être sur le toit. Et ça va plutôt être une bonne chose. En plus, il y avait un golem de fer qui va pouvoir m'aider. Voilà, bim. Et bim, voilà, là on est bien. Alors, enfin, j'espère qu'on est bien. Bim. Bon, c'est que le début du raid, hein. On va pas laisser le golem de fer tout faire, bien sûr. Ah, il en reste encore, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah oui, du coup, ah si, il y en a à la barrière. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit, lui? Il fait comme moi, cheater. Oh, la vache. Le golem, il rigole zéro. Ah bon, par contre, il est très abîmé. Je pense qu'il va pas faire long feu. Mais c'est pas grave, hein, je suis là pour aider les populations, bien sûr. Alors par contre, j'aurais dû... bim, oh là, il y a des... C'est parti. On va leur faire du mal. Tiens, les pires, c'est ceux à la hache, là. Ceux-là, ils font vraiment très très mal. Faut arriver à les dégommer. Après, ils sont super loin. Je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font dans le trottrousse là-bas alors qu'il n'y a personne. Ah si, il y en avait peut-être un. Il y en avait peut-être un là. Oh, je réussis à le toucher de loin là-bas. Est-ce que j'irai pas les dégommer là-bas? Parce que pour les avoir, ça va être compliqué. Alors attendez. Zut, ça c'était pas prévu qu'il y ait un trottrousse par là. Regardez. Oh mince. C'est un fail. Ceci est un fail. Ah, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans, là? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Allez, sortez, là, les bobours, là. Ils sont là-bas. Ah, c'est parce qu'il devait y avoir un villageois. Je pense. Ok. Oh, il y a une émeraude. On verra ça plus tard. Il y en a encore là. Ok. Il a réussi à me toucher, le nain de jardin. Allez. Donc, du coup, on retourne en haut de la maison. C'est une bonne technique en général, hein. ça marche plutôt pas mal. Le golem, il est mort déjà. Je sais pas s'il est mort. Bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'ils vont spawner, les nains? Ils sont super loin, mais comment ça se fait qu'ils sont si loin que ça? Regardez-moi ça, ce travail. Ouais, trop loin. Beaucoup trop loin, crotte. Oh, crotte, ça c'était pas prévu qu'ils soient si loin que ça. Zut, bon, ils vont arriver. Je regarde un peu. Bon, il y a déjà l'espèce de gros bignou là. Lui, il pique lui. Ah, ça fait un peu loin. Là. Il y a une maison là-bas. Ah, j'ai touché. Bon, priorité, c'est lui à dégommer en first, hein, bien sûr. Alors lui, par contre, on fait attention. Aïe. Oula. Ah oui, si je me gourde au bouton, forcément, ça va pas bien. Je me gourde au bouton. Crotte de bique. Voilà, lui, il pique. Et si il s'agira pas de pas faire ça tout à l'heure. Quoi? What? Qu'est-ce qui m'a touché de loin comme ça? Un arbalétrier, je sais pas quoi. Bon, on va voir. Bon, par contre, ils sont éparpillés un peu partout, les trucs. J'ai perdu des cœurs. Vite, il faut manger. Ça, c'est vraiment un réflexe qu'il faut que je prenne. Ok. Non, je m'étais mis au centre du village pour être tranquille. Et puis, en fait, on n'y est pas tant que ça, quoi. J'aurais peut-être dû faire tout court des golems de fer, en fait, tout court. Bon, lui, il est mort. Il y en a un juste au bord là-bas, là. Il y en a un autre qui part, je sais pas où, là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont là-bas. J'ai presque aucune chance de les toucher à cette distance-là. Vous savez pas quoi? Bon, on va aller les voir. On va aller les voir, bien sûr. Bon, il m'a fait une selle, super. On va être content avec ça. Bon, il y a le punch qui fait du bien quand même. Alors, il en reste quelques-uns. Celui-là. Oh, vous avez vu, les malins, ils se cachent et tout. Les IA, elles sont trop bien maintenant. Ok, il y a une arbalète enchantée. Moi, je connais la rivière enchantée, mais je connaissais pas l'arbalète enchantée. Ok. Il y en a un là-bas.
50. J'intéresse être meilleur à l'arc si... voilà, je fasse pas de bêtises. Il en reste un quelque part, je sais pas où. Oh, le petit coquinou. Il était là. Le petit coquinou. Quoi? J'ai mes flèches qui passent au travers. Oh, je vous jure. Allez, je retourne là-bas. C'est chaud, hein? Enfin, ça va. Pour l'instant, ça va. À mon avis, ça va pas durer. Mais pour l'instant, ça va. Et puis, c'est la nuit, bien sûr. Oh, mais il spawn super loin. On sait pas où est-ce qu'il spawn. C'est pas quoi? Je vais... on va passer la nuit tranquille. Voilà. Enfin, tranquille. Plus ou moins tranquille. Hop là. Alors, je les ai entendus là-bas. C'est fou qu'ils spawnent tous par là-bas, là. Alors qu'il n'y a pas de village par là. Oh, regardez, mais oui, ils sont à pétage toc. Puis il y a les sorcières, il y a tout ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bim, ça? Non, reste avec nous. Il est là-bas, il est là-bas. Oh là, il faut à tout prix que je bouge ce truc. Comment je vais faire aussi Oh mais non, mais ça va pas du tout ça. Bon, avec des machins. Bon, attendez. Alors ça, c'est un peu craignant ce que je suis en train de faire, mais en vrai, j'ai pas beaucoup de choix. Regardez-moi ça, où est-ce qu'il va se... Non mais t'es sérieux. Oh purée, quelle galère si j'avais su ça. Allez. Ça remonte. Faut absolument qu'on remonte là-dedans. Qu'on bouche le trou. Oh, ça va être compliqué avant que le raid ne soit trop violent. Oh purée, je vous jure. Ça c'est quand même pas de pro. Ok. Allez, on a bouché tout ça. Le raid est là-bas. Allez, on repart dans notre maison de départ. Oh purée. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est fou. Hein. Oh, puis ça y est, là, les Vex. Alors là, attention. Eux, ils vont vraiment grave saouler. Ça, c'est... c'est clair et net. Faut que je trouve l'invocateur. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il doit être par là-bas. Il doit être par là-bas, le truc. Le golem qui s'y met quand même un petit peu, heureusement. C'est quand même son travail. Nom de Zeus. Ça, il va s'en occuper. Oh, ils sont bien planqués, regardez, il y a juste sa tête qui dépasse. mon pauvre golem, j'ai pas de fer à te donner. Sinon je t'aurais bien réparé, tu vois. On va y arriver, bien sûr. Je vais faire ça, je vais faire un truc par là. Ils arrivent de par là-bas. Rapurée, ils vont tous arriver. Oh là là, purée, il va y avoir du monde. Oh là là là, il y a du peuple. Je suis peut-être un peu loin du machin, mais au pire, on courra s'il y a besoin. Tiens, les blancs, les dans le jardin. Moi, je sais pas, je les vois pas. À la vitesse qu'ils vont. C'est eux qui font mal comme ça. Ah oui, ils picotent. Je sais pas quoi. Oula. On va aller par là-bas. Hop, 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 hop.
Ok, petit repli stratégique. Oh purée. C'est là-bas qu'il y a du monde. Regardez là. Oh purée. Ok. En plus, il fait nuit. C'est pas le meilleur des moments pour combattre. L'autre, il évoque plein de vex là qui vont nous saouler. Je sais pas où est-ce qu'il est le truc. Il est par là-bas. Un petit peu plus haut. Faut que je vise un petit peu plus haut. Oh, David, il est dans le trou. J'en ai touché un. Oh, de loin comme ça, c'est ton axe. Hein. S'ils arrêtaient de bouger un petit peu, ça serait bien. Arrêtez de bouger, je vous tire dessus. Moi. Bon, je sais pas combien de trucs il leur faut pour mourir, hein, ces trucs-là. En plus, il y a plein de... Ok. Ah, le voilà, l'évocateur, regardez. Il a pris la... Il y en a un qui a pris la bannière. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais... Je sais pas s'ils savent, s'ils comprennent que je suis qu'ils sont attaqués de là. Ok. C'est le gros qu'elle a là, qui se saoule là. Je vais abîmer tout mon arc avec tout le temps du machin, c'est pas possible. Enfin, il est super loin. En plus, du coup, comme c'est la nuit, il y a des creepers et tout. Est-ce que j'aurais pas intérêt à essayer de dormir ? On va essayer de dormir. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Oh là là. C'est très le stress. Mais déjà, il y a la sorcière. Il y a encore du monde là, par là. Je l'ai touché au moins une fois. Lui, il est pas bon, lui. Ah, il y a le gros, là. Allez, encore une. Il reste encore un truc. Je sais pas où. Il y a un totem en bas. Je peux pas le prendre. Pourquoi je peux pas le prendre ? Le truc sur moi, ah, c'est un cheval qui est là. Ah, il en reste plus qu'un. Crotte de bique. Je préfère prendre le totem. Hop là. Voilà. Deuxième totem. Ah si, il est là. Il est là, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Et voilà. Et encore une vague. Ouais, super, super, les amis. Ouais, héros du village, il est beau coco. Mais bien sûr qu'il est beau coco. Bon, allez, on rentre à la maison, chargé de gloire et d'honneur, et le héros du village, ouais. Ah, de retour à la maison, les amis. Quel bonheur et envie, c'est le plus important. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Regardez, alors déjà je suis le héros du village, donc je suis content. Et du coup, tous mes trucs sont moins chers. J'ai remarqué, par exemple, pour avoir, comment dire, du mending, c'est plus 16, mais c'est 12 émeraudes que j'ai. Alors par contre, ce que je comprends pas, j'ai viré tous les lits, hein, y a plus de lits. Là, ils peuvent plus se coucher, tout ça. D'ailleurs, j'en ai tué un autre il n'y avait pas longtemps. Hop, et pourtant, ça continue quand même à spawner. Alors là, je comprends pas pourquoi. Ah, peut-être parce qu'il y a les outils. Non, quand même.
Mais ça, je peux pas le retirer parce que j'ai mon mending qui est là. Vous me direz, j'en ai plus vraiment besoin du mending. Les villageois, je veux quand même les garder. Est-ce qu'ils considèrent que c'est un village ici? Parce qu'il y a ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, il y a quand même des bestiaux qui spawnent là. Et ça, c'est embêtant parce que ça... Alors, où est-ce qu'il est, le bignon? Il est là. Voilà, donc du coup, parce que du coup, s'il spawn ici, bah, il spawn plus là-bas. Et donc, ça entrave ma ferme. Donc là, je suis obligé de me dégommer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis, le pauvre art. On va dégommer des trucs aujourd'hui, je vous le dis, moi, Madame Chauvet. Hein. Hop. Voilà, il est mort, on va récupérer le fer. Voilà, et je sais pas pourquoi ça continue à spawner par ici. Alors que logiquement, les lits, ils sont restés dedans. Moi, j'en ai 3 des lits là pour le truc. Mais de temps en temps, ça spawn encore là-bas. J'ai pas d'explication. Mais bon, allez, c'est pas grave. Au pire, je déplacerai mes villageois. Je les amènerai autre part, dans mon château, je sais pas où. On va les déplacer. Je pense que ça va aider. Et du coup, la ferme à faire là, elle sera tranquille. Mais ceci, les amis, sera une autre histoire, bien sûr. Parce que, en attendant, on va se retourner. Voilà. Donc, j'espère que ce petit épisode un petit peu stressant. Enfin, j'ai passé pas mal de... J'ai passé pas mal de trucs, hein. J'ai coupé des séquences, hein, parce que c'était un petit peu long, sinon de faire toute une attaque de village. En tout cas, j'espère que ça vous aura bien plu. Moi, je vous donne rendez-vous sur 2 prochaines aventures de mon petit monde solo en hardcore. Je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et puis, ben, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais à tous des gros bisous. Tchou 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 les amis, à bientôt.